Allez à tout le monde, c'est Azurikpiration, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 493 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, pour ma part les amis je vais très bien. Au niveau de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte des mers. On est à 22%, plus que 78% les amis. Sous au niveau du cool, dans l'épisode précédent on avait fait cette case là avec Sia, dans lequel on avait récupéré tout simplement son arme de niveau 2. On avait également récupéré le réceptacle de cœur et là ce que tu l'adores, donc il nous en manque plus qu'une ici, donc on va devoir refaire aujourd'hui cette case là pour obtenir notre dernière ce que tu l'adores. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais vous montrer du coup à quoi, enfin, et on va même l'utiliser aujourd'hui, le nouveau spectre, et c'est le spectre des veilleurs. Donc écoutez, on va tenter un petit peu, enfin on va même découvrir un petit peu ce spectre là. Alors du coup on avait mis ça, on va peut-être la mettre ça en coiffe cette fois-ci, donc voilà un petit peu comme ça au moins c'est agréable. Et donc du coup bah écoutez, on va utiliser les mêmes persos qu'on a utilisé la fois dernière. Voilà, écoutez tranquillement, on peut même on peut même utiliser Volga, mais non, on va vraiment si peut-être on peut remplacer peut-être par Volga, mais non, vu que c'est efficace ici, donc autant mettre les persos qui nous intéressent tout simplement. Allez go. Donc du coup bah, on va découvrir cette arme, tout simplement cette nouvelle arme que nous avons obtenue de niveau 2. On évolue maintenant, on commence à bien avancer dans le jeu, on commence vraiment à obtenir des armes très intéressantes j'espère que ça sera toujours le cas. On va faire le même chemin que ce qu'on a fait actuellement. Donc écoutez, alors du coup il faut faire attention à ne pas faire fuir les plantons, hein, évidemment. Allez voir l'épisode précédent si vous n'avez pas compris, hein, donc parce que c'était important. Et donc cette arme là elle est vraiment très badass. Allez go, on va voir du coup. Ah oui, effectivement. Waouh. Effectivement c'est très badass. Et voilà. Hop. Et ben voilà. Alors du coup, hein, alors par contre, oui, on n'a pas lu les trucs de la scutula d'or. Scutula. Alors indifférent, ok. Remplissez la première mission et emparez-vous de moins 5 forts ennemis sans que vos ennemis ne vous infligent 40% de dégâts au plus. Voilà, normalement, on devrait bien s'en sortir. Normalement. Je dis bien, normalement, on devrait bien s'en sortir. Allez, du coup, Sia. Elle va aller là. Hop. Boum. Hop. Voilà. On est en train de tout défoncer. On est vraiment en train de... Oh, on a tout défoncé. Ok. Alors. Maintenant. Intiro. Intiro, on va donner un ordre à Xanto de se rendre ici. Hop. Voilà. Ouh, c'est trop stylé ça. Hop. Parfait. Oh, attention. Hop, hop. Par contre, en termes de... Avec lui, commande. Ok, 1, 2, 3, 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4 en fait. Il n'y en a pas plus. Ok. Nous avons du coup notre coffre. On va vite aider le planton avant qu'on ça tourne mal, parce qu'en fait c'est des ennemis surpuissants qui sont vers les plantons en fait. Ils sont déjà en difficulté. Hop. Voilà, attention. Le planton est en difficulté, l'autre aussi. On va y aller, ne vous inquiétez pas. On a une Inciro avec, donc... Donc on ira avec une Inciro, hein, je vous le dis. Bon. Merci. Allez, avec Inciro, on va vite protéger l'autre. Par contre, Inciro, s'il te plaît, déplace-toi jusqu'à lui.
ça nous on peut continuer à prendre ces forts là. L'éclaireur arrive. Il est où l'éclaireur là? Ok. Ok. Ça c'est fait. Bon, le planton il va bientôt être à grand danger, donc il faudra vraiment faire très attention. Donc on va vite ordonner un ordre à Insero. Enfin, même pas. On va prendre Insero. Tout simplement pour tenter d'aider le planton qui est bientôt en danger de mort. De mort imminente là. Hop. Ok. Alors, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4. Ok. On va vite prendre ce fort là. Top. Et maintenant. Hop. Parfait. Allez go. Boum 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 boum. Hop. Top. Et voilà. Maintenant ça va le planton là, il survit. Ok, planton survit normalement. Donc maintenant on va demander à Xanto, Intiro surtout, d'aider ce planton là, parce que j'ai peur des gros soucis. Sia, on va la contrôler. Exanto, ouais non, Xanto en fait. Mon gars, t'as plus rien à faire en fait. En fait là mon gars, Xanto, t'as pratiquement plus rien à faire en fait. Si, peut-être assister, si on va tenter d'assister cette zone là pour être tranquille. Avec cette arme là c'est trop stylé. Ça me limite la casse pour le mode héroïque. 40% des dégâts, faut faire attention par contre. On est à... T'as un quart là. Ok. Je sais même pas où va apparaître la scutula d'or en plus, donc... En fait finalement il faudrait éparpiller les persos en fait. En mettre un en haut, même au centre. Parce que là le souci c'est qu'on va se retrouver dans une merde. Le planton, ça va, il survit. Il a du mal avec tous les gros mobiles, enfin avec tous les blins. Ok. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Boum. Voilà, attention. Un capitaine détaché, yes. Oh, en plus dans le fort du bas. Bon, bah on va y aller. On va vite éliminer le capitaine détaché. Bah, Xanto, tu retournes. Tu retournes, eh ouais. Y'a pas le choix. Sia va rester ici, hein. En cas de ce que tu l'adores, elle va même rester. Ouais, elle va rester ici, à mon avis. Le mieux, ce serait même qu'elle reste. Non, elle va rester là. Non, elle va rester ici, comme ça, si elle apparaît en bas aussi, ça serait mieux. Et encore, je suis même pas sûr, en fait. Vaut mieux qu'elle se mette même carrément ici, comme ça, au moins, je serais vraiment proche de tout, quoi, en cas de soucis. Xanto, s'il te plaît. Oh, Xanto. Le platon a atteint. Le capitaine détaché. Hop. Boum, 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 boum. Top. Top. Ok. Ça c'est fait. Et il manquera plus que la scutula d'or du coup, logiquement. Qui apparaît. Ok, qui apparaît au milieu. Encore.
À mon avis, ce sera pas la même position que d'habitude, si. Ah non, elle a réapparu au même endroit. Ok, d'accord, cette fois-ci. Oh putain, des fois, ça a plus rien comprendre. Ah bah du coup, oh l'invocateur. Vous avez vaincu ce que tu d'or, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Bah du coup, Sia, tu ramènes ton cul et tu ramènes ton cul ici. Parce que c'est toi qui vas affronter, vu que t'es plus puissante, Tetra. On va vite éliminer l'invocateur. Bon bah du coup, là ce que tu l'adores c'est fait. Non, attention. Boum, boum, voilà. On a tellement géré là, cette fois-ci. On a encore tellement géré. Et voilà, le soldat d'invocateur c'est fait. Merci. Boum, top. Merci. Le chef de poste, il est en train de se faire marave. Bah oui, en invoquant tout le monde, tu m'étonnes. On est à combien? 8000? Tant même, on peut avoir le rang A. Involontairement, mais on peut avoir le rang A. Tetra. Sia. Amenez tout le monde en bas. Ordre. Insiro. Base. Non. Tetra. Zanto. Tetra. Ah bah en fait ils ont pris tous les chefs de poste en fait. What the hell quoi. Bon bah écoutez ça c'est fait hein. Il manquera plus que Tetra. Est-ce que c'est... Oh, voilà. Tu m'en donnes? Non, tu m'en donnes pas entièrement malheureusement. J'aurais bien aimé mais... T'as pas voulu. Allez go. Je vais juste voir parce que... Non, ici il y avait le... Ah non, c'est le capitaine de Red, ok. Je pensais que c'était un Moblin. Allez, go! Tetra de nouveau! Tetra is back! Chef des pirates, Tetra. Alors, le fameux chef des pirates. Parce qu'on vraiment fait très mal. Oui, effectivement, on fait beaucoup plus mal que la fois dernière. Oula, tu vas te calmer toi, je t'ai dit. Direct, tu vas vite te calmer. Mais dis donc, elle folle elle. Viens ici toi. Oh, oh, oh. Oh putain, oh, tu m'as cassé les couilles là. Ah, j'ai juré, tu m'as cassé les couilles. Oh putain. Oh, tu es sérieux, tu me fais mal comme ça. Bon, là t'es mort. Pas du tout. Mais presque. Et voilà. Magnifique matériau rare. Bon bah écoutez, ça c'est fait hein. C'est fait. On a tout obtenu sur cette case là. Bah on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah oui, bah oui. Vu qu'on a obtenu l'arme déjà. Donc c'est un sac d'armes ici. Et une poche d'armes. Ah mais elle est magnifique, mamma mia. Vous avez obtenu un sac d'armes, vous avez hâte de voir ce qu'il contient. Elle est vraiment magnifique Sia. Vraiment magnifique. Magnifique. Avec le spectre en plus. Dans le spectre par contre, wow, il est badass hein. Dans le spectre, oh. Non, tu m'étonnes. Bon bah écoutez, ça c'est fait. Alors spectre du temps, 90 dégâts attaque fort 2, EPF affilé 555 de dégâts attaque spécial plus élément au slot vide, anomodie 88 de dégâts attaque fort 5, épée du héros 96 de dégâts attaque fort 4, ocarina d'effet 80 de dégâts rubis plus et spectre de déveilleur 180 de dégâts attaque fort 2, élément ténèbres et slot vide. Ah ok, bon ben ok, d'accord. Ouais, en fait c'est que des. Il n'y a que des épées de merde en fait. Erreur, sans garde, sans jette, on jette. On jette. Ça
Ça on jette, ça on garde et ça on garde. Alors, 44 600 rubis, ok. Une sandale tétra, deux fourrures de groblines, une souffle d'âme de glace, une pièce d'armure de Dark Knight et un cuir d'Aerafos pour deux appâts universels et l'illustration. Hey! Oui, c'est le Spectral Ganon, il fallait s'en douter. Bon, bah écoutez, au moins c'est fait. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, je pense que c'est le top. On aura fait cette case là, au moins du coup, on aura vraiment fait cette case là 100%. Du coup, la fois prochaine, les amis, on peut aller à trois endroits. Donc, on peut aller ici pour le costume ou on peut aller ici. Je pense que peut-être on ira ici, hein, pour obtenir le costume. Je pense que ça peut être très sympatoche. Avant de se rendre ici, vu qu'il y a le putain de canon à la con là. On ira peut-être choper un canon justement ici. Donc je pense que avant d'aller un petit peu en bas, on s'étalera un petit peu quand même sur la carte. Vous voyez, il y a des choses importantes ici. Il y a des armes et tout. On va jamais s'en sortir. Il y a tellement de choses. On va jamais s'en sortir. Donc ouais, c'est très prometteur. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, la fois prochaine, en tout cas dans la semaine. Sachant que du coup, logiquement, c'est dans l'épisode 394. La semaine prochaine. Au cas où, hein, je vous le dis directement, l'épisode 499 sera du coup l'épisode du tutoriel, oui parce qu'il y est toujours, ne vous inquiétez pas, et l'épisode 500 sera l'épisode progression de la carte, dans lequel vraiment, enfin progression de la carte, qu'est-ce que je dis, progress, tout simplement world progress ou progress tour, je sais pas comment vous les aimez les appeler, mais dans lequel je vous montre toute ma progression. Et donc du coup, dites-vous qu'il y aura énormément de choses à montrer parce qu'on aura énormément fait de choses durant les 50 vidéos parce qu'on aura vraiment obtenu énormément de réceptacles de cœur, de fragments de cœur, etc. Et même carrément un nouveau perso, carrément. Donc écoutez, je suis très content. Mais on n'y est pas encore, ça sera vraiment début de semaine prochaine normalement. Donc là on n'y est pas encore, on va quand même un petit peu se concentrer sur les petites cartes. J'aimerais vraiment au moins atterrir au moins jusqu'ici, on essaiera d'aller jusqu'à là. Je sais pas, en fait il y a ça aussi qui est bien. Mais on verra. Hein, en tout cas, on n'y est pas encore. La prochaine fois, c'est sûr qu'on fera cette case-là. Et après, on se décidera la fois prochaine quelle case on fera. En fait, c'est tellement. En fait, il y a trois choix. Et trois choix qui donnent envie. Donc, non, on sait pas. Allez, du coup, les amis, on va pouvoir s'arrêter là. Et je vous dis, à la prochaine. Pour du coup l'épisode 300, l'épisode 494 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!